Hello guys, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire votre propre image PNG sur votre téléphone portable. C'est vraiment très facile. Pour ce faire, nous allons aller dans Play Store. Ensuite là, nous allons télécharger l'application Pixel Lab. Une fois le téléchargement terminé, nous allons ouvrir l'application. Ensuite, une fois ici, ça va nous amener cet écran. Donc là, on va taper sur autoriser. Ensuite là, il est écrit, là où il est écrit New Text. Si on ne veut pas de cette photo, on peut changer les photos en bas. Il y a plusieurs photos, par exemple, si je choisis celui-là. Donc là, pour modifier le texte, on va taper sur en haut à gauche, là où on a mis le crayon. On appuie sur le crayon, encore une autre fois. Et là, on va modifier le texte. N'est-ce pas? Donc là, moi mon nom c'est Babzo ZB. On va mettre Babzo ZB. Ensuite on tape sur OK. Vous voyez le nom? Vous avez vu? Donc là, ensuite on peut ajouter un autre texte en allant ici en bas, là où il est écrit A. Ensuite là, on va taper, comment dirais-je? Là, on va taper sur plus, le plus. Donc là, on va taper sur Edit. Là aussi, on va ajouter quelque chose d'autre qu'on veut. Par exemple, moi, je vais écrire informaticien. Et là, on tape sur OK. Vous avez vu l'informaticien? On peut l'agrandir, on peut le rendre plus petit. Vous avez vu? Donc, on peut ajouter plusieurs choses. Par exemple, si on veut ajouter... Si on veut ajouter une photo, on va taper là en haut sur les trois traits. On va taper en haut sur les trois traits. Et on va écrire, on va taper sur... Ou encore... Non, on va aller en bas ici, là où on a mis le petit rectangle. On va taper sur importer. Et là, on va choisir l'image qu'on veut mettre. Par exemple, si je choisis cette image... N'est-ce pas? Celui-là, voici l'image. Donc, on peut le rendre plus petit. Vous avez vu comme ça. Voici l'image. Donc, j'espère que vous avez compris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Vous pouvez faire plusieurs photos comme ça. Et à la fin, pour enregistrer la photo, on va taper sur en haut à droite sur les trois points. Et là, on va taper sur exporter l'image. Une fois ici, on va taper sur là où on a écrit vers galerie. Attendez que l'image s'enregistre. Maintenant, l'image a été exportée. Vous avez vu, l'image a enregistré.